Donc Meryl Fourgou, ah oui, c'est mieux avec mon son. J'étais en train de régler l'assaut. Donc Meryl Fourgou en rouge contre Émilie Bazin. Voilà, c'est Émilie Bazin, c'est ce que j'avais, annoncé de mémoire. Bazin et Meryl Fourgou. Il nous faudra le programme des jeunes aussi. Donc, et voilà, nous sommes prêts pour cet assaut, donc le deuxième assaut des séries féminines. Émilie Fourgou qui avait été éliminée en quart de finale l'année dernière au championnat de France par Céline Mangin. On a oublié de dire, Meryl Fourgou qui est du Stade Clermontois. Oui, en effet. Émilie Bazin et de Vignes SBC. Je ne connais pas. Enfin, j'espère à pas ne pas avoir écorché le. Je ne connais pas non plus. Voilà. C'est la première fois que je vois cette tireur. Donc, nous devons voir ce que ça donne. Donc, je vais juste en tourner. Et c'est parti. Première touche en jambe de Meryl. Il vient chercher sur l'arrière de la jambe gauche. C'est la jambe gauche. Et tout d'un stop de l'arbitre. Polo en arbitrage. Touche et le premier lâcher de canne de la compétition. Avec un. Ouais. Et la touche sur la. Sur le haut du dos. Ouais. Meryl qui essaye de doubler, tripler en jambe. L'arbitre qui dit un coup non maîtrisé, si j'ai bien vu ce que vous êtes. Oui, elle n'arrêtait pas la touche. Par riposte, on se dit une touche en tête. Et puis celle qui est devant nous. Ouais. Qui vient chercher la jambe avant, encore une fois. Qui vient chercher le plan, ça ne passe pas, bien barré. Émilie fait de grands armées à profond. Et la touche sur la jambe, doublé sur la jambe avant, bien fait de la part de Meryl. Pointe de la part d'Emily qui essaye de toucher donc au bas. Qui essaie d'ouvrir la défense de Meryl. Meryl qui travaille plutôt par petite séquence. 3-4 attaques. Change la hauteur au bas. Une touche en chaussure, je pense. J'ai pas vu. Et tentative de latéral croisé en plan qui ne passe pas. Ouais. Les coups sont un peu développés devant. Enfin, le coup part vraiment très tôt. C'est étonnant parce qu'elle a un armée très profond. Ouais. Et là, sur la parade riposte en vitesse. Voilà, le toucher. Là, on vient de le voir sur le latéral extérieur. Encore une fois, elle a un armée très lent. Ouais. Et du coup, elle s'ouvre complètement à la touche. Ouais. Elle mérite qu'un profit à chaque fois. C'était pas armé non plus, ça. Attention à la technique. Et encore une fois, sur l'armée, une fois armée, on vient toucher en jambe. Ça passe bien, ça. Elle a bien remarqué, Meryl, que ça passe bien. L'armée est très lente. Ouais. Fin de la première reprise. Pas de l'assaut, mais fin de la première reprise tout court. Vous êtes un peu cavalier. C'est un peu rapide. Ouais. Petit retour. Voilà. Première reprise, bien pour Meryl, bien gérée. Elle a bien vu un gros trou dans la technique de défense d'Emilie. Emilie a une armée très lent. Très profond. Et en fait, très valide. C'est possible d'armer lentement, mais une fois que vous avez la priorité, parce que c'est vous qui avez armé, il faut être capable de déclencher si votre adversaire essaie de vous prendre de vitesse. Et pour rappel, en fait, c'est l'armée qui compte, donc si vous armez l'enfant, vous exposez à ce que l'adversaire, même en ayant paré, reprenne la main, puis s'il arme plus vite. Donc l'avantage, c'est que on voit bien les coups, que les coups sont bien armés, mais il faut aller plus vite, il faut varier le rythme, c'est-à-dire qu'il va falloir varier la vitesse dans les coups. Et donc, l'arbitre qui ne fait pas de geste en donnant les retours des juges.
On attend le chronomètre. Qui a du mal à remettre à zéro. Un petit problème de chronomètre. Ouais, donc j'ai baissé un petit peu l'ambiance. Apparemment, ça a l'air d'être mieux. Il ne faut pas hésiter. Parce que les sons des ambiances, ça dépend beaucoup de la salle. Et ça dépend aussi beaucoup de la distance avec la caméra par rapport à l'assaut et du bruit dedans. Donc voilà, donc, on peut encore. Et c'est parti pour la deuxième reprise. Et là, Mérite qui essaie de prendre de vitesse sur la jambe avant. Non, ça ne passe pas. Bon, là, la trajectoire n'est pas très alignée. Pour la main qui était beaucoup plus basse que la touche. Attention, défaut de priorité, zone. Pardon. Touche pour Emilie. La rupture. Encore une fois, Mérite qui essaye de prendre de vitesse Emilie sur son armée. Là, un armée un peu lent. Et là, le boulet en jambe. Voilà. C'est sûr. Pas très armé encore quand même. Latéral croisé. Il y a la place hein, dans ses armées, là, d'en mettre en touche. Voilà, par le riposte en jambe qui passe. Bien fait pour Meryl. De la part de Meryl. Et la touche en jambe, celle-là est nette. La touche tête, jambe et on, touche en jambe encore. Ouais. Et là, on a vu le petit, petit retour un peu triste. On a senti tout le casque. Mais que Meryl était un peu désappointé d'être encore une fois touché en jambe. Oui, parce qu'en fait, Meryl a attendu que le développé arrive au niveau de l'épaule pour l'attaquer en jambe. Et encore une fois, on vient chercher. Alors, elle était peut-être un peu basse, celle-là. Ouais. Et encore une fois, une feinte brisée latérale extérieure en jambe. Feinte qui marche bien. Hein. Vous livrez complètement la défense en forçant une défense au-dessus de la tête. Et vous allez chercher la jambe avant ou la jambe arrière. On voit aussi que Emily est très et pas vraiment en face de son adversaire. Donc elle est très sur le côté et ça laisse de la place. Enfin, ça demande donc du temps pour qu'elle se remette et qu'elle arme correctement. Et puis on voit des armées en fait de développer de latéraux croisés qui sont un peu bas de base. Ce qui voilà, pour une fois, trajectoire bien ambiguë, elle va sortir. Elle va sortir. Et la pression, on l'a vu. Hein. La pression. Mérite tout de suite, elle a vu la position proche de la zone et on met la pression, on force à reculer. Et Emilie qui fait le pas de trop. Ouais. Allez Emilie, faut essayer d'autre chose. Ouais. Et on voit aussi que les, et fin de la deuxième reprise. C'est pareil, les officiels ont choisi le orange sur le sol. Ouais, c'est jamais très. C'est pas, ça semble. Enfin, on a déjà eu des retours un peu, des expériences de orange sur sol, le faux parquet ou parquet like. Et ben, ça se voit pas forcément très bien. Voilà, c'est pas très très lisible. Voilà, vous la voyez mieux à l'écran. J'ai l'impression que nous, on la voit vraiment dans l'air. Alors, donc, deuxième reprise à l'aune de la première. Hein, Mary qui a maîtrisé, je pense, qui a pris son temps pour démarrer et qui a fini en marquant encore des points. Alors après, je pense que toutes les touches ne sont pas valides. Oui, il y a beaucoup de touches qui sont un peu développées précipitamment et qui donnent cette impression de mal faites parce qu'elles sont faites dans la précipitation et que. Voilà, ça laisse toujours le doute de savoir est-ce qu'elles sont bien faites ou pas. Mais elle a beaucoup produit, donc elle a beaucoup touché. Donc sur. Ouais, je pense que ça suffit pour être. De toute manière, il y a très très peu de touches de la part d'Emily, donc voilà. Déjà. Oui, confortablement devant. Et un petit problème de coiffe aussi. Et alors que l'on remet la coiffe, donc le second est intervenu à la demande de l'arbitre. Et du coup, on va partir pour la troisième reprise. Attention, il y a des retours des juges, mais c'est les deux et on ne sait pas. Juge 3, on y retourne. Et c'est parti. Là, c'était mieux de la part d'Emily sur la séquence. Voilà, encore une fois, elle a des très grandes armées, des développés qui ne sont pas très réactifs par rapport à ce que fait l'adversaire. Une fois qu'elle a lancé, elle sait ce qu'elle va faire, mais elle ne s'adapte pas. Et du coup, Meryl voit ses trous et vient chercher. Une fois que la défense est ouverte dans l'armée, on va chercher la fin. Voilà. Elle est un peu basse. Elle a la place pour. En fait, elle a la place pour trouver la faille. Et on.
en message personnel, on me dit de parler plus fort. On peut pas trop parler plus fort parce qu'on est proche des airs et qu'on peut pas donner des informations techniques, tactiques au tireur. Ou au second éventuellement. On va pas le gêner non plus. Donc voilà. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Et voilà. Donc Emily, en fait, on reste sur le même schéma. Emily n'arrive pas vraiment à s'adapter. On est sur la trajectoire. La cuillère. Ouais. Faut essayer d'attraper la tête alors qu'on était en fente de la part de Neville. Mais en fait, on reste sur. Il n'y a pas vraiment d'adaptation technique, la tactique des deux côtés. Bon, Meryl n'a pas besoin de s'adapter. Non, son schéma fonctionne, donc c'est bon, let's go. On ne voit pas beaucoup non plus de variations. Il y a pas, on ne voit pas de parade-riposte beaucoup. On ne voit pas de contre-attaque. Un peu à toi, à moi. Voilà. Pas beaucoup d'esquives non plus. Beaucoup de parade. Le jeu est basé beaucoup sur la parade. Ouais, la touche, je ne sais pas où elle a touché. C'est dans le dos, Meryl qui essaye d'attraper la jambe, ça ne passe pas. De toute façon, c'était sabré ou. Ah voilà. Parade encore une fois. On va chercher la jambe. Encore une fois, c'est le premier combat du matin pour les tireurs. Ouais, c'est quand même très tôt. Il est 19h, on est déjà au deuxième assaut. Voilà. Meryl qui essaye un petit peu de mettre un petit peu de. Ah, on entend les résultats sur l'air. Là. Pour les moins de 18, mais je ne sais pas qui fait. Et la reprise s'arrête, fin de la reprise, fin de l'assaut. Voilà, donc je pense sans trop de surprises. Oui, non, il n'y a pas vraiment de doute sur. Sur la tenue du match. Du coup, on va attendre les résultats. Les résultats, et se prépare sur l'air rouge, j'ai l'impression aussi, Denis Fauchon. En rouge. Très bien. Pendant que sur l'air bleu, peut-être regarder le programme des poules. Ouais, je crois qu'il nous a été envoyé, mais je l'ai pas là sous la main. Qui c'est qui tire ensuite? C'est qui tire ensuite? On essaie de se renseigner. Jennifer en rouge. Jennifer en rouge et donc Sidonie en bleu. Ouais, j'ai l'impression que Sidonie est en bleu. Ouais. Je vois. Donc résultat de la du match. Meryl et en rouge à l'unanimité. La tireur rouge. Meryl pour vous. Très bien. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association, Cannes TV, ne perçoit pas de cotisations, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur LOSO. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergements ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos. Et au-delà de faire connaître Cannes TV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.